Kate, la princesse de Galles, a joué un rôle clé en veillant à ce que la reine gifle le prince Harry et Meghan Markle après leur entretien avec Oprah Winfrey, a-t-on affirmé. Kate, la princesse de Galles était celle qui a clairement fait valoir que l'histoire jugera cette déclaration et à moins que cette phrase ou une phrase similaire ne soit inclue, tout ce qu'ils ont dit sera considéré comme vrai, selon l'auteur Valentine dans une version de poche mise à jour de son livre courtier, Valentine Law, correspondante royale du Times. A suggéré que la phrase immortelle « certains souvenirs peuvent varier » provenait du bureau de William et Kate et avait été poussée par elle en réponse à les plaintes du duc et de la duchesse de Sussex concernant la monarchie lors de l'interview télévisée de mars 2021. Law écrit que, selon plusieurs sources, le secrétaire privé de William, Jean-Christophe Grey, qui n'était en poste que depuis 3 semaines, a proposé la phrase et Kate était catégorique sur le fait qu'un projet de déclaration plus doux devait être durci et a joué un rôle déterminant dans obtenir la réponse la plus robuste envoyée à la reine. Il a ajouté que c'était un autre exemple de la façon dont Kate est souvent beaucoup plus d'acier qu'elle n'y paraît. Il écrit, Kate n'obtient pas autant de crédit qu'elle le devrait, car elle est si subtile à ce sujet. Elle joue le long jeu. Elle a toujours eu l'œil sûr. C'est ma vie et mon chemin historique et je serai la reine un jour. La déclaration en 4 phrases, qui soulignait à quel point la famille était attristée pour Meghan et Harry, a été publiée mardi.